Le jazz. Le jazz est apparu à la fin du 19e siècle aux États-Unis, à la Nouvelle-Orléans. Il est issu du mélange entre la culture du peuple noir américain, issu de l'esclavage, et la culture européenne. L'une de ses principales influences, outre les chants religieux, fut le blues. Les premiers musiciens de jazz vivaient de leur musique dans de petits orchestres appelés fanfares. C'est réellement l'apparition des phonographes qui va permettre la diffusion de cette nouvelle musique. King Oliver a été le chef d'un premier orchestre très important, le Creole Jazz Band, dont fera partie Louis Armstrong. Ce dernier était un improvisateur hors pair, capable de créer des variations infinies à partir d'un même thème. Ses musiciens l'imitèrent et se mirent à improviser, non plus du tout en même temps, comme c'était le cas jusque-là, mais chacun leur tour. L'apparition des salles de danse va influencer le jazz de deux façons. Les musiciens vont être plus nombreux, puisqu'ils commencent à pouvoir vivre de leur musique, et le jazz va adopter le rythme de la musique de danse. Au milieu des années 20, on voit l'apparition d'un courant musical appelé l'ère des big bands. Cette période marquera la naissance, entre autres, de l'orchestre de Count Basie. Au milieu des années 1930, la popularité du swing et des big bands était à son sommet, transformant en stars des musiciens comme Glenn Miller. Dans les années 1940, de nombreux musiciens se lassent de la rigidité de ces grands orchestres. Ils se réunissent en petits groupes après les concerts et laissent libre cours à leur virtuosité. C'est la naissance du bebop. À partir de ce moment, le jazz ne cesse d'évoluer, donnant naissance au cool jazz, au jazz latine, au free jazz, à la bossa nova, au jazz fusion. Il est à ce jour toujours en constante évolution.